Alors, au niveau de la télévision, on peut dire que c'est une très belle année pour Panasonic, appuyée effectivement par cet événement qui est la Coupe du Monde, qui a généré au total sur le marché plus 150 000 pièces sur ce marché. En plus de cet événement-là, on s'est appuyé, nous, sur l'OLED, qui a été une très très belle année pour nous, une nouvelle technologie qui prend place sur le marché de la télévision depuis maintenant un an et demi, deux ans, et chez nous, un vrai potentiel de croissance pour nous. On est arrivé avec une gamme sur 2018 qui s'étend, on va dire, au fur et à mesure, et on prend de plus en plus de parts de marché sur ce créneau-là. Donc c'est pour nous un vrai potentiel sur 2019. On s'appuie sur trois piliers: la télévision, la photo et la beauté. La photo, notamment avec les hybrides, qui est un segment qui explose depuis plusieurs années. On a été les créateurs de l'hybride il y a maintenant 10 ans. On performe exceptionnellement bien sur ce marché et continue à développer des produits au fur et à mesure. Et sur la beauté, à la fois en épilation, en rasage et en tondeuse, un marché sur lequel on progresse aussi d'année en année. Donc on a une vraie ADN sur l'électronique, et donc apporter l'électronique sur le marché de la beauté avec des produits assez spécifiques, des saunas faciales, des tondeuses un peu plus évoluées. Donc vraiment apporter l'ADN de la marque et de l'innovation pour justement émerger sur ce marché-là. La machine à pain, au four à pain, existe depuis des années. La particularité de notre machine, c'est qu'elle vous crée une croûte croustillante sur le dessus, ce qui n'existe pas sur le marché à l'heure actuelle. Donc c'est une vraie nouveauté dans le monde des fours à pain. L'objectif n'étant pas de concurrencer la boulangerie, mais d'apporter une solution à ces gens qui veulent créer eux-mêmes leur pain, notamment ceux qui sont aussi intolérants au gluten ou ce genre de choses. Donc être capable de créer son propre pain et d'avoir un pain frais tous les jours à la maison avec un look qui ressemble finalement au pain qu'on pourrait acheter dans une boulangerie avec cette croûte croustillante. Alors c'est 3 heures de cuisson et la possibilité, donc avec une cuve, de directement cuire votre pain à l'intérieur. Et donc vous ressortez un pain de cette taille-là au bout de 3 heures. Alors le prix devrait positionnement marketing autour de 300 euros et une disponibilité en octobre.